Good morning, allez, Yidan Netus aujourd'hui, le Nishmat Raester, Bat Miriam, ainsi que l'Urfat, Olivier Israël Shimon Ben Raester, Ramchat Miriam Bat Roslena, et bien vite Ben Khabiba, le Torchar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions en Sechet Ourin, Perik Dalet Mishnah Aleph. Mishaotzi Uhu Goim O Ruach Ra'a. En lo Ela Arba Amot. Echaziru Uhu Keilu Lo Yatsa. Olichuhu Le Iracheret. Netanuhu Badir. O Besahar. Rabban Gamliel Rabbi Elazar ben Azariah Omrim, Mehalech et Kula, Rabbi Yoshua Rabbi Akiva Omrim, Enlo Ela Arba Amot. Masé Shabbat ou Mipandisin, Ifligas Finatam Bayam, Rabban Gamliel Rabbi Elazar ben Azariah Hilchu et Kula, Rabbi Yoshua Rabbi Akiva, Lo Zazum et Arba Amot, Shratsu Lachmir Alatsman. On va commencer, on a déjà évoqué le sujet des Troumin de manière générale déjà dans le Pérec. Guimel, tout en parlant du héros Troumine. Là, on va s'intéresser maintenant dans tout notre chapitre au Troumine proprement dit. Chaque juif, chaque juif spécifiquement, à l'entrée du Shabbat, il est défini par un lieu. Là où tu te retrouves, tu restes. D'accord? Je suis à Jérusalem, ma place de Shabbat est Jérusalem. Ma place est Jérusalem, et autour de ma place, 2000 amas supplémentaires. D'accord? Donc là, on va découvrir plein de détails. Mais j'insiste pour le moment sur ces deux notions. Il y a mon, comment dire, il y a ma place et mon lieu, mes limites, mon domaine. Ma place, proprement dite, c'est là où je suis, là où je suis. Parfois, j'insiste parce qu'en fait, parfois on va se retrouver que c'est que 4 amotes. La place d'un être humain, c'est explicite dans la Gemara, c'est du de Psukim, 4 amotes. Ma place, c'est 4 amas. Autour de mes 4 amas, de ma place, on me donne 2000 amas. D'accord? Maintenant, ce qu'on va découvrir en fait dans notre Mishnah, c'est quelque chose qui va encore plus loin. C'est que si toutefois je suis dans une ville, je suis dans une pièce, voilà, en ce moment je suis dans ma pièce, dans mon salon, eh bien ma place, c'est plus 4 amas, c'est mon salon. Et autour de mon salon, on va donner 2000 amas supplémentaires. Ma place, ça peut être ma ville. Dans ce cas-là, toute ma ville, elle est considérée comme 4 amotes, mes 4 amotes, 2 mètres sur 2 mètres, toute ma ville, puisque c'est tout maintenant, c'est devenu mon lieu qui est bien délimité. Tout ça, c'est mes 4 amotes, autour de ma ville, tu me donnes 2000 amas. D'accord? C'est la donnée générale. Retenez qu'il y a les deux notions. Il y a ma place et mon domaine, si je peux dire. D'accord? Ma place, en général, c'est soit 4 amotes, ça peut même être plus large. Maintenant, après cette petite introduction, j'ai pas le droit de sortir de ce lieu pendant Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si toutefois je suis sorti, malgré moi-même? Celui que des goïms l'ont fait sortir de force, ils sont venus, ils ont fait des ravages dans la ville, ils ont attrapé un juif, ils l'ont tiré, après ils l'ont jeté en pleine forêt, à 2000 amas en dehors de la ville. Ou encore, ou un vent de folie. Le gars, il a perdu la boule, il a bu un coup de trop, ou il a perdu la tête quelques minutes, il s'est mis à marcher, en sortant de la ville. Après, il récupère ses esprits quand il est en dehors de la ville. Ou bien, le pauvre juif qui s'est fait sortir de force par les goïms, il se retrouve dehors. En lo ela arba amot. Désormais, il a plus que ces 4 amot, que ces 2 mètres sur 2 mètres. 4 sur 4 coudées. Une coudée, c'est 50 cm plus ou moins. Donc, il a plus que son lieu. Il se retrouve maintenant en dehors de la ville, il ne peut plus bouger de sa place. Son lieu maintenant, c'est devenu ça. Et comme à l'entrée de Shabbat, il n'était pas là-bas, il n'a plus les 2000 amot tout autour. Parce qu'en fait, le lieu où tu étais avant Shabbat, autour de ce lieu, tu as un droit en plus d'avoir 2000 amas, mais si tu te retrouves dans un nouveau lieu, tu n'as plus les 2000 amas. D'accord? Donc tu n'as plus que tes 4 amotes. Et je continue la Mishnah, et comme ça on va faire de l'ordre ensuite. Et Chézirou, si toutefois maintenant les goïms l'ont ramené après une pitié de ce juif qui pleurait, ou donc là, il y a les viens, on te ramène chez toi. Ils l'ont re-rentré maintenant dans la ville. Là, la Mishnah me dit qu'Ilou Loyatsa, on considérait comme si il n'est pas sorti. D'accord? Il a récupéré son troum. Même mieux que ça, il a récupéré son lieu, il a le droit de marcher dans toute la ville, et même mieux que ça, il a encore les 2000 amas tout autour de la ville. D'accord? Précision de la Gemara, rapportée dans l'Ordre Noir, on parle que d'une personne qui est sortie malgré lui et qui est revenue malgré lui. S'il est sorti parce qu'il a fait exprès de sortir, qu'après on l'a ramené de force, ou encore il est sorti de force après il est revenu de lui-même, il ne pourra plus bouger de sa place. Il est là où il se retrouve, il doit rester dans ses propres 4 amotes, il ne pourra plus marcher dans toute la ville. Ok? Si toutefois maintenant les goïms qui l'ont pris, ils l'ont emmené dans une autre ville, ou le vent de folie,
Netanuhu Badir, où ils l'ont mis dans un enclos, dans un étable, au Bessahar, dans un enclos. Donc maintenant, il y a quelque chose d'important. C'est que, je vous avais dit, c'est vrai que quand tu te retrouves dans la ville, tu n'as que 4 amas. Mais quand tu es dans un endroit délimité, l'endroit délimité est considéré comme 4 amas. C'est pour ça qu'il nous enseigne Rabban Gamliel, Rabbi Lazar ben Azari Omrim, Mehalech et Kula. Il pourra marcher dans tout le périmètre qu'il a. Soit, en fait, je récapitule maintenant. On l'a pris, on l'a sorti en dehors de la ville, il n'a que 4 amotes. Maintenant, 4 amotes parce que c'est devenu ton nouveau lieu. Autour de ce nouveau lieu, tu n'as plus les 2000 amas. Si toutefois on l'a enfermé dans une pièce, alors les 4 amotes, son lieu, c'est plus les 4 amotes. C'est devenu maintenant toute la pièce. Si c'est un enclos, ce sera tout l'enclos. Ok ? En dehors, au-delà de l'enclos, il n'aura plus le droit de sortir, bien évidemment, parce qu'il n'a plus la barre, il n'a pas le droit de sortir en dehors de là. Mais la pièce où on l'a mis, c'est ses propres 4 amotes. Si on l'a mis dans une nouvelle ville, alors de nouveau, il aura toute la ville pour marcher, parce que toute la ville est considérée comme 4 amotes. Telle la vie de Rabbi Lazar ben Azaria et de Rabban Gamliel. Sur ça, on a une petite discussion. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Omrim, Enlo et la Arba Amot. Ils nous disent, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils ont dit qu'il n'a que 4 amotes. Ils considèrent, eux, que non. Même à l'entrée du Shabbat, tu as un lieu. Tu as une place. Ça peut être défini comme ta ville, ça peut être défini comme... Et autour de ça, 2000 amas. Mais si tu es sorti malgré toi en dehors de la ville, et ben même si on t'enferme dans une pièce, ta place, c'est plus la pièce. Ta place, c'est les 4 amotes uniquement. Et une petite discussion, comment interpréter ça? Maintenant, on va proposer une première interprétation, c'est juste que, puisque ce lieu, c'était pas ton lieu, donc on considère juste tes pieds, où est-ce qu'ils sont posés, tu as le droit de les bouger. Maintenant, bouger un petit peu tes pieds autour de 4 amotes, tu as le droit de le faire, mais pas plus que ça. Une deuxième interprétation, c'est... J'ai peur qu'on va se mettre à confondre ça avec si on le laisse dans un endroit qui était ouvert. On va pas compliquer la tâche. D'accord? Pour le moment, c'est assez clair, c'est assez facile. D'accord? Je récapitule. Il était dans sa ville. On l'a sorti de force. Il a que son lieu. Si toutefois là-bas, maintenant, au lieu de le jeter en pleine rue, en pleine forêt, on l'a mis dans un endroit qui était enfermé, une discussion, est-ce qu'il a le droit de marcher pendant tout l'endroit, de tout le lieu dans lequel il est enfermé, c'est toute cette pièce, ou est-ce qu'il est délimité uniquement dans ces 4 amontes? Avec maintenant une halakha supplémentaire aussi, c'est que si on l'a ramené dans la ville, alors il récupère son domaine initial. Ça, c'est que si ça a été de force à l'aller comme au retour. Ok ? Baruch HaShem, et on continue à avancer dans la Mishnah maintenant. Avec une nouvelle histoire. Masé Shebaou mi Pandisin. Il y a eu une histoire où les 4 Tanaïm qu'on a, 4 Kdoshe Elion, qui sont Rabban Gamliel, Rabbi Elazar, Ben Azaria, et ensuite Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils étaient tous les 4 ensemble dans un bateau. Ils étaient en train de revenir de Prandisin. Je ne sais pas où c'est la Prandisin, mais c'est quelque part sur la planète Terre. Et Vifliga Sfinatam Bayam. Et leur bateau a vogué dans la mer. Maintenant, il faut savoir, on est limité aussi, lorsqu'on a un bateau en pleine mer, eh ben, on est sorti en dehors du troum de Shabbat. On est limité, on doit rester que à sa place. La question qui s'est posée, c'est qu'ils avaient le droit de marcher à l'intérieur du bateau. Sur ça, on a une discussion intéressante. Rabban Gamliel et Rabbi Lazar ben Azaria, Rabban Gamliel et Rabbi Lazar ben Azaria, eux-mêmes, Hilchou et Kula, se sont permis de marcher dans tout le bateau. Parce que ça, ça a été le nouveau lieu. Tandis que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, l'Ozazoum et Rabba Amot, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils sont restés à leur place. Ils sont passés tout le Shabbat sur leur place. Je ne sais pas comment ils ont mangé, comment ils ont dormi, comment ils ont besoin de partir aux toilettes, même des fois. Eh bien, ils sont restés sur place. Ils n'ont pas bougé. Chez Rassou l'Achmir Alatzman, ils ont voulu être plus Mahmirim sur eux, et on va faire un petit peu d'ordre, et on explique un petit peu la problématique d'abord. La problématique, c'est que quand on est dans la mer, eh ben, on n'a aucun lieu. On n'est défini par aucun lieu, donc on n'a que 4 amotes. Donc en théorie, l'idéal, si c'était faisable, on aurait dû planter l'ancre et rester sur place pendant les 25 heures du Shabbat, parce que c'est mon lieu, j'ai plus le droit de bouger. Bien évidemment, c'est pas possible de rester sur place. On a le bateau qui bouge de toute façon. Puisqu'on a le bateau qui bouge de toute façon, d'accord ? Il s'avère que finalement, tu n'as aucun moyen de rester à ta place dans tes 4 amotes. Donc, quoi qu'il arrive, on te prend et on te bouge, on te promène. Les vagues te promènent. Donc, tu n'as aucun moyen de rester sur place. Pense, Rabban Gamliel et Rabbi Lazar ben Azaria, que de ce fait, tu as le droit de marcher de toute façon dans tout le bateau. D'accord? Pourquoi tu as le droit de marcher dans tout le bateau? Parce que de toute façon, je ne suis plus à ma place. Alors, qu'est-ce que ça peut faire si finalement, malgré moi, je me retrouve à 8 amas? Imaginez que maintenant, je dois rester à ma place. Mais on me prend et on me jette. Que de toute façon, je vais dépasser les 4 amotes. Eh ben, j'ai pas de problème à mettre un petit coup d'aile pour partir un petit peu plus loin. Pourquoi ? De toute façon, je suis sorti de mon trou. Je suis pas obligé de me planter là où je suis. J'ai pas d'intérêt. D'accord ? Puisque de toute façon, je sors malgré moi de mes 4 amotes. Selon ce principe, Rabban Gamliel, il y a aussi une autre interprétation. Je vais expliquer ensuite. Pour le moment, je reste sur ça.
Il y a deux avis dans le monde. Donc j'assure ça pour le moment. Puisque de toute façon je vais perdre ma place, je ne peux pas rester sur dans mes quatre amotes. Malgré moi je suis projeté, je peux même partir un petit peu plus loin, c'est pas grave. Ça c'est l'avis de Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Nazaria. Et Rabbi Yoshua Bar Akiva, ils ont dit non malgré tout, limite-toi autant que tu peux à rester dans tes quatre amotes uniquement parce que tu n'as pas le droit de bouger. Voilà tel que c'est écrit, et je crois que le Bartonin il explique que comme ça. D'accord ? Bon, le Bartonin explique pas comme ça, il explique comme l'autre avis de la Gemara. Ça, ce que je vous dis, c'est vrai, c'est retenu dans la Gemara. Seulement, la Gemara pose encore une autre interprétation, encore mieux, qui nous dit qu'en fait, non, c'est comme la marloquette qu'on avait. C'est vrai qu'on t'a sorti en dehors de ton troum. C'est-à-dire, tout démarre par là. Premièrement, ton bateau, il était à une place avant le Shabbat. Il a changé de place, t'es plus au même lieu. Mais malgré tout, t'as l'avantage quand même d'être sans arrêt encerclé par les parois du bateau. Les parois du bateau, ils ont aussi un statut d'enclos. Et donc, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Nazaria, eux, ils vont te dire, ben, puisque t'es dans un nouvel enclos, t'as le droit de marcher. À l'intérieur de l'enclos, dans toute la surface de l'enclos. Donc la Sfina, c'est un enclos. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, eux, n'ont pas été d'accord. Eux, c'est selon leur avis. Qui ont dit que même lorsque tu retournes dans un enclos, puisque c'est plus ta place initiale, parce que c'est vrai que tu es assis dans le même bateau et tu n'as pas bougé du bateau, mais le bateau lui-même il a bougé. Donc au début, tu étais à telle, latitude, longitude, je sais pas gros. Tu étais à telle place, puis après ton bateau il a bougé, tu n'es plus à la même place, donc tu as perdu ta place, tu es dans un nouvel enclos, tu n'as plus le droit de bouger, tu dois rester que dans tes quatre amotes spécifiquement. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.